organisée sur le thème la transformation totale du croyant pour les défis de l'ère. Vous savez que nous vivons les derniers temps, donc nous avons prévu ce thème pour réveiller l'esprit de l'Église sur la nécessité de travailler, la nécessité de d'amener l'Église à une émancipation sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier. Donc, à ce que fait, nous avons prévu pour le compte de cette convention des programmes d'activité spirituelle. Il y a des programmes qui visent l'entrepreneuriat. Il y a des programmes sur la santé. Nous avons demandé à des médecins de passer pour des entretiens avec les frères ici. Il y a eu aussi l'orateur même principal qui a passé. Et lui, il a parlé sur le Dieu, concernant le Dieu de transformation. Et le Dieu qui transforme. Hein? Dieu de transformation. Par exemple, nous avons vu ce Dieu à travers la parole de Dieu qui nous parle, par exemple, de l'eau transformée en vin. Dans l'Ancien Testament, il y a aussi, à un certain moment, nous avons vu qu'il y avait l'eau dans la localité du peuple d'Israël. L'eau était devenue amère. Il fallait que cette eau soit adoucie. Donc, et Dieu aussi est comme un potier qui prend le pot pour transformer ça à sa manière. Donc, nous devons être comme des pots dans la main du potier qui est Dieu pour nous transformer. Et la transformation, il y a la forme qui peut être transformée. Donc, nous avons quand même écouté ces enseignements qui nous ont édifiés. Et après cela, nous avons vraiment partagé des moments intenses.